l'actualité française. Sous les flashs des photographes de la Terre entière, Miss Venezuela a été élue Miss Monde à l'unanimité à Londres. De l'autre côté de la Manche, Albert Lamotte lance la construction d'un premier immeuble signé Lamotte à Rennes. En 1970, le vaisseau spatial Apollo 13 a décollé vers la Lune depuis la Floride. C'est la plus lourde de toutes les fusées Saturn V qui, mise à feu, a fait près de 100 mètres de haut. À Rennes, deux tours de taille équivalente se dressent vers le ciel, mais elles ne décolleront pas. Il s'agit des tours Horizon, construites par le groupe Lamotte, qui réalise au même moment la barre Saint-Just et les célèbres terrasses jardins. Lamotte Constructeur devient membre de la Fédération des promoteurs immobiliers en 1981. Une quinzaine d'années plus tard, tandis que Jacques Chirac succède à François Mitterrand au titre de président de la République française, Jean-Marc Trian prend quant à lui la direction du groupe Lamotte, qui compte désormais 35 personnes. La même année, le groupe obtient la certification Qualitel. En 1999, les badauds se regroupent sur la butte de Montmartre afin d'observer le ciel où... Le soleil a rendez-vous avec la lune. Tandis qu'en province, la filiale Ogis est créée. Elle se nomme aujourd'hui Lamotte Gestion Transaction. Le groupe compte 54 personnes. Le hameau du Golfe, première résidence de tourisme du groupe, est créée à Pornic. Lamotte s'installe par la suite dans la ville de Nantes. 2001 est l'année du lancement du parc d'affaires Edonia à Saint-Grégoire, qui compte près de 50 000 m² de bureaux. En 2005, le championnat de France de gymnastique se déroule à La Rochelle et le groupe s'implante la même année dans la ville. Deux ans plus tard, les filiales Lamotte, aménageur, lotisseur et Lamotte maison individuelle sont créées. Le groupe s'implante ensuite à Angers, puis Brest, puis à Vannes en 2008. Désormais, une centaine de personnes collaborent avec le groupe Lamotte. En 2012, tandis qu'une rumeur de fin du monde Maya part pour le globe, la filiale Espace et Vie est créée et la résidence Le Galilée est construite au Mans. Le groupe fait l'acquisition de DEB Expansion en 2014 et crée alors Lamotte Commerce. Il lance la même année la création de la Villa Joséphine, la première résidence du groupe en région parisienne. Après avoir remporté le concours Logement plus Bureau à Bordeaux, le groupe Lamotte s'implante dans la ville. Aujourd'hui, le groupe fête ses 60 ans, il rénove ses bureaux boulevard Magenta à Rennes et compte plus de 150 collaborateurs.